Hey, yop tout le monde. Hey, yop tout le monde, c'est le Click9 ici, là, je me retrouve pour la suite du Let's Play sur The Last of Us. Donc voilà. Accompagné de Le Geek, qui est sur The Surge, qui fait un live. Donc voilà. Enfin, mais je dis ça, les gars, sauf que le live de Le Geek, ça fera 6 ans qu'il sera déjà sorti, là, vu que... Ça fait déjà 3 ans de quoi. Bah en fait là je suis pas en live, tu sais je filme pour après poster sur YouTube, sauf que là j'ai dit gros, donc là il est en live tout ça, sauf que quand je vais poster la vidéo gros, tu seras plus en live depuis des années hein. Ouais bah là moi enfin je suis sur son live donc voilà. Bah Fortnite c'est pas des let's play quoi, c'est juste des games. Enfin c'est juste un live. Bah moi je pense que c'est mon deuxième let's play que je vais terminer officiellement. Vu que Resident Evil 2 je l'avais pas terminé vu que j'arrivais plus. Resident Evil 3, bah, c'est le premier let's play que j'ai terminé. Et après, bah là, ça va être The Last of Us. Et peut-être The Last of Us 2, les gars. Hein. Bah ouais. Bah ouais, les gars, va falloir quand même... Va falloir quand même... Je pourrais pas me passer de The Last of Us 2, hein, les gars. Ça va être impossible. Je peux pas avoir joué à tout le 1 et pas au 2. C'est pas possible, en fait. Il faut y jouer, les gars. Ouais, donc en fait, je vais jouer à The Last of Us 2. Alors c'est dommage qu'il ne laisse pas le choix de pouvoir tuer Abby, enfin pouvoir noyer Abby, ou ne pas pour la noyer, ou ne pas la noyer, parce que franchement, les gars, moi je l'aurais noyé, hein. Bon, après, ça se trouve, il est peut-être pas mort, hein, Joël. Parce que bon, parce que t'as vu tout ce qu'il a survécu dans le 1, Joël, alors dans le 2, il se prend une balle de pompe dans le pied... Et il se prend 2 coups de golf dans la tête, il est mort. Franchement, c'est un peu abusé quand même. Hein. Voilà, lui est mort. Mec, moi je serais chaud pour que tu fasses un let's play hein, dessus. Oh merde, je me suis tué. Franchement, gros, moi je serais chaud pour que tu te fasses un let's play sur ce jeu. Et tu sais qu'il y a un film qui s'appelle The Surge, sauf qu'en fait c'est pas du tout la même chose. Le film, gros, c'est un film d'horreur. Et ça, bah c'est un jeu de robots, tu niques des robots. Ah ouais? Ça fait pas peur. Ah, c'est vrai. Bah en vrai, Prey mec, c'est pour moi c'était pas flippant. J'avais joué et franchement c'était pas flippant du tout. Oui, c'est vrai que là tu stresses de mourir quoi, mais. Tu vois Resident Evil 3 gros c'est la deuxième fois que je le refais et c'est seulement la deuxième fois que je le refais que je le mets en hardcore tu vois. Oh non. Oh, oui, oui. Bien sûr, par contre, les gars. Oi, oi, oi.
The Last of Us, franchement les gars, c'est un des meilleurs jeux. De Naughty Dog. Je dis bien de Naughty Dog, hein, parce qu'après c'est pas le meilleur jeu, hein. The Last of Us. C'est un des meilleurs jeux. Ah, j'imagine bien. Oh, ce bruit de recharge de cet AR, elle est magnifique. Oui, parce qu'il y a des AR. Au début, je pensais qu'il n'y avait pas de sorte de d'AR comme ça. Mais si, il y en avait. De quoi? Mais ouais, gros, c'est des balles de PM. Bah ouais. Ah, parce que t'as sauvé le monde. Ouais, t'as regardé des vidéos, quoi. Parce que j'aime dire, oh, c'est cool si t'as sauvé le monde, hein. T'as des surprises pour moi, hein? Genre le boss il est impossible à battre. Ah ouais, ouais, ça c'est chiant gros, quand tu sais pas quand Attends, il reste qui? Mais je crois que je les ai tous tués. Ok, c'est bon, je les ai tous tués. Enfin! Allez, merci Joël. Hein. Quoi? Mais Théo, pourquoi t'avais quitté ce matin? Bah j'ai déjà passé un moment dur où il y avait tous les soldats. Ouais. Bah moi je veux pas le tuer en vrai. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne pouvez pas la prendre. Notre avenir. Ne pas. Attention. Carrie, tu vas la fermer. La fille, j'aurais peut-être pas dû la tuer parce qu'en vrai, elle a rien fait.
Reviens. Attends, comment on fait? Putain quoi. Après tout ce que Joël a fait quoi. Avec toutes les fois où Joël il a aidé Ellie. Et aussi c'est vrai que Joël il a aidé Abby. Pourquoi Abby a tué Joël même s'il a tué son père? Voilà quoi elle l'a... Non mais en fait Abby elle a, je sais pourquoi elle a tué Joël, c'est parce que Joël en fait dans le 1 il tue le père d'Abby. Et donc Abby elle se venge sauf qu'il pouvait pas savoir que c'était le père d'Abby tu vois. Et de toute façon Abby on la connaissait même pas avant. Elle est vue comme ça d'un coup dans le 2 elle a tué Joël et on peut la jouer après la moitié du jeu putain. Tu ne peux pas la sauver. Tu la fais sortir et après? Combien de temps avant qu'elle se fasse massacrer par les claqueurs? Si elle ne s'est pas fait violer et tuer avant? Ce n'est pas à toi d'en décider. C'est ce qu'elle voudrait. Et tu le sais. Écoute. Tu peux encore... faire le bon choix, Joël. Elle ne sentira rien. Et comment tu sais qu'il l'a tué? Et la cinématique, on le voit en train de la tuer. Fait encore effet. Qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé les lucioles. Ah ouais. En fait, il y a plein de gens qui sont comme toi, Ellie. Des gens immunisés, il y en a même des dizaines. Mais ça n'a rien changé du tout. En fait, ils ont arrêté de chercher un vaccin. On rentre chez nous. Mmh. Je suis désolé. Attends. Ne me dis pas. Pitié. Je chercherai à la retrouver. Vroom vroom, Jipap. Yeah. Ah ouais, j'ai vu le petit couteau en bas. J'ai vu le petit couteau en bas, je savais qu'on allait jouer Ellie. Ouf. Ok. On dirait qu'on va devoir marcher. Ça devrait être direct. D'accord. C'est joli, non? D'accord. Ouais. Il y avait trois gros même. Enfin, il y en avait deux au même endroit, mais il y en avait un avant. D'accord. Attention à ta tête en passant. Il doit avoir mal quand même, hein, Joël. Là, c'est parce que ça reste du barbelé, hein. Là, je sens, je suis plus tout jeune. Bah ouais, bah ils en auront rien à foutre. Je crois que je te l'ai jamais dit, mais
Sarah et moi, on se baladait souvent comme ça. J'étais une bonne marcheuse. J'étais souvent. Je crois que... Je suis sûr que vous vous seriez bien entendus toutes les deux. Je pense que tu l'aurais bien aimé. Je suis sûr qu'elle non. aussi. D'accord. Oh. Mais là, Théo, je suis vers la fin ou pas? On est presque arrivé. Bon, après, je ferai le Left Behind et plus deux. On est plus très loin. Je sais pas. Ouais, je pense qu'en vrai, je vais... Je pense qu'en vrai, The Last of Us 1, je vais le terminer. Après, je vais faire le Left Behind que j'ai eu gratos. Grâce au remaster qui me le donne direct. Allez, viens. La Left Behind, la suite de The Last of Us 1. Puis après, on enchaînera avec le 2. Hein. À Boston, quand je me suis fait mordre, j'étais pas toute seule. Ma meilleure amie était là. Elle s'est fait mordre aussi. On savait pas quoi faire. Alors, elle m'a dit, on n'a qu'à attendre. Tu sais, ce sera romantique, on perdra la boule ensemble. Pourquoi quoi? Ouais. Ouais, Left by Behind. Ouais. Ouais, je sais. Ouais, bah de toute façon, moi je l'ai eu gratos, ça m'a fait une mise à jour dès que pour avoir. Ah ouais, on peut passer les vidéos. Parce que franchement, les cinématiques du 2, elles sont beaucoup trop longues. Et on s'en bat un peu les couilles quand même, hein, des cinématiques du 2. Rien de tout ça, c'est ta faute. Non, tu comprends pas. J'ai mis du temps à accepter le fait de survivre. Et tu... Quoi qu'il arrive, tu trouves toujours une bonne raison de te battre. Écoute, je sais que ça n'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est... Jure-moi. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos de Lucien est vrai. Je te le jure. C'est la fin du jeu là ? Non. Okay. Non. Non. Mais non. Allez. Ouais, c'est bon, on va enchaîner avec le Left Behind. Bah ciao les gars, j'espère que vous avez aimé.